Citoyennes, citoyens, plusieurs années se sont maintenant écoulées depuis la fin brutale de notre monarchie. Les événements historiques sont donc suffisamment éloignés et les esprits assez apaisés pour que nous puissions évoquer la retentissante affaire du collier de la reine. Avant de commencer, il faut que vous sachiez qu'il est difficile de donner de cette histoire un récit crédible. Car c'est la plus invraisemblable des affaires. Elle dépasse en imagination et dans l'art de la fabulation le plus habile des romanciers. Elle est en vérité une farce des plus éhontées, des plus mouvementées, des plus passionnantes. Molière lui-même n'a pas écrit une pièce où il soit possible de trouver pareil assemblage plus pittoresque de filous, d'escrocs, de dupes, de bouffons et de gens délicieusement bernés.